Hey, je vous récupère. Pourquoi hey? Pourquoi je lui dis hey? Je sais pas. C'est la fatigue qui commence à arriver sur moi. Du coup, je vous récupère pour qu'on parle de quelque chose que j'avais commencé à avoir avec vous. C'est quoi? Le tricot. Eh oui. C'est bien, vous suivez bien, vous suivez bien, c'est super. Donc, rappelez-vous. J'avais vu ce. Attendez, je vais baisser la luminosité parce que je ne sais pas si ça va vous faire mal aux yeux. Ne pas perdre tout casser. Donc, je vous avais montré ce modèle-ci. Voilà. Trop joli. Je vous aurais mis le lien dans la barre d'infos. Donc c'est une veste longue, voilà, au tricot. Donc moi personnellement je ferai la taille L. Donc il me faut 700 grammes de fil. Voilà. Il se tricote en aiguille circulaire numéro 8 avec un câble de 40 cm et de 80 cm. Aiguille circulaire 6 en 80 cm. Je pense que ça, le 8, c'est pour le corps et l'aiguille numéro 6, c'est pour faire les côtes. Parce que normalement, les côtes sont plus serrées. Enfin, comment je pourrais dire? Oui, plus serrées que le corps. Voilà, c'est pour ça qu'après, ça fait un petit effet. Bah, c'est plus petit quoi. Bref. Aiguille double pointe numéro 8, aiguille double pointe numéro 6. Donc ça, je pense que les aiguilles double pointe, c'est comme ça. Je vous montre. Du coup, j'ai ressorti toutes mes petites affaires, je suis trop contente. Ça me met en joie. Alors, aiguille double pointe, c'est je vais les trouver, vous inquiétez pas. Elles sont là. Voilà. Aiguille double pointe, c'est comme ça. Donc ça. Donc vous voyez, il y a deux pointes de chaque côté. Normalement, c'est vendu par 4, enfin par 5. 1, 2, 3, oui, 4, 5. Et en fait, c'est pour tricoter en rond. Voilà, parce qu'avant, les aiguilles circulaires, ça n'existait pas. Donc, aiguille circulaire, qu'est-ce que c'est que c'est? Admettons, là. Vous voyez, vous avez un morceau d'aiguille, voilà, qui s'arrête avec comme des sortes de petites. Pardon pour le bruit. Donc vous voyez, ça s'arrête et il y a des petits trous et dedans, je ne sais pas si vous, si ça voudra faire le focus. Je pense pas. Si je cache ma tête, non, il ne veut pas. Non, il voudra pas. C'est bien dommage. Est-ce que tu veux? Non. Pourquoi tu veux pas? Bon, bref, c'est pas grave. Et en fait, dedans, ça fait comme des, comme pour visser quelque chose. Et en fait, c'est tout simple. C'est que vous avez des câbles. Vous voyez? Donc là, celui-ci, c'est un câble de 60 cm. Là. On a des câbles de 80 cm. Toc. Donc c'est vendu avec ces petites choses là. Et en fait, ces petites choses, ça sert, bah, si admettons, vous mettez en attente une partie de votre projet, et ben vous enlevez les aiguilles. Et pour pas que vos mailles, elles s'enlèvent, et ben vous mettez les petits embouts au bout. Des petites vis. Mais on aura le temps d'en reparler.
sans problème. Il y a aussi, donc ça j'en ai une autre de 60, une autre de 80. Donc j'en ai des comme ça de la marque IAIA qui me servent à faire les bonnets parce que oui, je tricote aussi des bonnets. Donc là j'ai deux tailles d'aiguilles. Donc ça c'est des 4 mm celle-ci. Et là c'est des 4,5. Ouais c'est ça, 4,5. Mais par contre le truc qu'il y a, c'est que là vous voyez que pour visser, il est là. Que dans mes aiguilles fil d'art, pour visser, c'est pas là. Là on a le trou. Pour visser, c'est dans les câbles. Donc je ne peux pas utiliser les aiguilles IAIA avec les câbles fil d'art que j'ai. Parce que bah, c'est pas compatible. Bon après, c'est normal, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, parfois ça peut être un petit peu embêtant. Donc ouais, pour les bonnets, donc j'ai acheté ça. J'avais pris ça sur le site. Je crois que c'était Calidou. Il me semble que c'était Calidou. Oui, je vous mettrai en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Après, vous savez que moi, je ne suis pas pour vous faire dépenser des petits sous. Hein. Mais bon, si vous voulez tester, au moins sur le site Calidou, c'est là où vous avez la laine, de la bonne laine. Et franchement, ça va, c'est pas si cher que ça quand on regarde toutes les laines fil d'art. Et encore, moi j'ai arrêté le tricot, ça fait bien 5 ans maintenant. Hein. Ouais, à peu près. Donc je pense que depuis... Ça a dû augmenter encore. Et on va reparler de prix juste après par rapport à la laine. Donc voilà. Donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé tout ce qui est de la gamme fil d'art. Je me suis offert pour mon anniversaire. Il me semble que c'était pour mon anniversaire. Bref, je ne sais plus. Je me suis offert la trousse. Donc on a la trousse avec différentes tailles d'aiguilles. Donc ça va jusqu'au 8 mm. Et la plus petite, c'est 3,5. Ouais, c'est 3,5. Donc, on peut voir, c'est quand même fin. Mais j'en ai encore des plus petites. J'en ai encore des plus petites que ça. Voilà. Et dedans, il était bien complet. Il y avait des câbles. Ouais, franchement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. C'est kit d'aiguilles naturelles, ça s'appelle. Après, je ne sais pas s'ils le font encore. J'en ai aucune idée. Moi, j'ai acheté ça, ça date vraiment de tellement d'années en arrière, peut-être, parce que j'ai arrêté il y a peut-être 5 ans, ouais. Mais ça veut dire que j'ai dû acheter ça il y a... Non, j'ai dû arrêter un peu après. Ouais, peut-être 4 ans, bref, en tout cas, voilà, j'ai arrêté quoi qu'il arrive. Et ouais, vous voyez celle-ci, ça c'est une paire de Chiago. Et c'est des 3,5. Et ça me servait à faire les manches. Donc on peut voir qu'on a des toutes petites aiguilles. Ici, on a les toutes petites aiguilles qui, là par contre, c'est rattaché au câble. Ça ne peut pas s'enlever. Voilà. Et avec ça, et ben en fait, vous tricotez, vous faites que du point endroit. Parce que ça va tricoter pas. Quand vous tricotez en rond, en fait, il n'y a pas besoin de faire endroit envers, endroit envers. Pourquoi? Parce que quand vous tricotez en rond, c'est comme si vous tricotez en spirale, pas en rang. Si on tricotait en rang, oui, bien sûr, on doit faire un rang endroit, un rang envers, un rang endroit. Tout dépend du point. Mais là, quand on tricote en rond, c'est comme si on allait tricoter en spirale. Donc en fait, on fait que du endroit, et ça va nous faire ces petits V bien spécifique au point endroit. Voilà. Mais ouais. Et c'est franchement, c'est très vieux. Après, ça se garde bien. Hein. Il suffit qu'on y fasse attention. Bon, il peut y arriver comme c'est du bois, que ça puisse casser. Mais là, comme c'est en bambou, fil d'art, c'est, il me semble que c'est en bambou. Il me semble que c'est du bambou, donc du coup, ça ne va pas se casser facilement, quoi.
Donc voilà, donc j'avais aussi pris celle-ci. J'en ai d'autres pour faire des chaussettes. Mais elle est où ma petite trousse où il y a ma petite paire de chaussettes dedans? Il me semblait qu'elle était par là. Moi, sinon, je vous la montrerai demain. Pour vous, ça ne change pas grand-chose, mais bon. Et j'avais aussi acheté ça. Alors ça, c'est... Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Vous pouvez dire, qu'est-ce que c'est, que c'est, que c'est? Il faut savoir un truc. C'est que quand on fait un projet, que ce soit un châle, un gilet, un pull, peu importe le projet qu'on va faire, il faut toujours faire un échantillon. Qu'est-ce qu'un échantillon? Je vais vous montrer ça. Bougez pas les amis, je vous montre ça tout de suite. Alors, bon parce que j'étais quand même organisée, hein, quand je faisais du tricot, j'étais quand même organisée, j'avais fait une petite trousse. J'ai mis plein de petits badges dessus. C'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop chou. Ouais. Donc là, j'ai mon carnet. Oh, regardez, j'ai trouvé une jolie règle. Une règle en bois. Trop mignonne. Bref, on fera des découvertes. Donc, alors, je ne sais pas si ça existe encore. J'avais acheté ceci. Ah. C'est vieux, hein. Est-ce qu'il y a une date, une année peut-être? Bougez pas. C'est Mélise Carrara et c'est aux éditions Erol. Donc c'est Bullet Journal pour tricopathe. Mon carnet à remplir. Je ne sais pas s'il y a une date. Je ne sais pas du tout. Oui, en 2017. 2017, 2018, 2019. Hein. 23. Ouais, il y a 5 ans. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Et donc, ça, c'est un bullet journal où vous pouvez voir qu'il est quand même assez fourni. Et ben, vous faisiez, peut-être vous faisiez un projet. Donc, normalement, voilà, il commence avec les projets d'automne. Donc, ce sera à l'envers. Hein. Je suis désolée. Mais voilà, j'avais fait, comme on peut voir, un petit bonnet avec la laine de Zimane. Voilà, tout simplement, tricoté pour Tati. Alors, c'était pour Tati, donc ça devait être ma petite sœur, sûrement, ou ma grande sœur, une des deux. Voilà. Là, c'était quoi? Pareil, ben, j'avais ma folie des bonnets. Hein. Voilà, j'avais appris à faire des bonnets, alors du coup, j'en avais fait pour tout le monde. Ça, c'était quoi? Ah oui, c'était mon cardigan que j'avais fait. Très jolie, avec une laine un peu caramel. Mais ouais, j'avais fait franchement beaucoup, beaucoup de projets. Et après, ben écoutez, la vie a fait que j'ai arrêté l'appareil, encore une fois. Je vais essayer d'en trouver un avec un échantillon. Ah ben, regardez. Donc là, c'était le châle que j'avais fait. Et un échantillon, c'est... Donc, c'est-à-dire qu'on vient tricoter. Est-ce qu'il s'enlève? Oui, il s'enlève. Oh, il est tout doux en plus. Je ne vais pas perdre ma page, par contre, pour le remettre après. Donc, un échantillon. Hop. Voilà. Donc, c'est ça. On vient tricoter à peu près de la taille de notre ligne. Voilà. Donc, on essaye de faire en sorte qu'il soit plus grand que notre petite réglette. Je vais la mettre de l'autre côté parce que de l'autre côté, il y a des petits dessins. Hop, voilà. Vous voyez les petits dessins là? Donc là, il faut mettre les petits V. Vous les voyez un petit peu. Hop. Il faut bien placer et vous venez compter. Vous venez les compter, les petits V. Hop. Donc, chaque petit B, comme ça, touc touc, ça fait 1. Vous venez les compter dans la longueur et dans, enfin, dans la longueur et dans la largeur.
Et selon combien vous avez de points, eh ben, ça vous donnera. Vous verrez si vous avez tricoté, par exemple, trop serré ou trop lâche. Parce que ben, ça dépend. Hein. Des fois, on tricote trop serré. Moi, j'ai tendance à tricoter serré. Donc, du coup, si, admettons, je dois tricoter un gilet qui est préconisé en 6, c'est-à-dire avec une aiguille numéro 6, moi, je vais avoir tendance à prendre l'aiguille numéro 8. Parce que je tricote serré. Mais il arrive que vous tricotez lâche. C'est-à-dire, ce n'est pas serré du tout. Donc là, vous allez avoir tendance à prendre une aiguille plus petite que celle préconisée. Voilà. Et ouais, franchement, c'est cool. En plus, c'était une laine toute douce. Je me rappelle que c'était une laine toute douce. Donc voilà ce qu'est un échantillon. Donc votre échantillon, vous le faites, il faut que ce soit les petits points, donc il faut que ce soit en droit. Donc à chaque fois, vous allez faire un rang en droit, un rang en vert, un rang en droit, un rang en vert. Donc derrière, vous avez bien les petits ponts. Voilà. Et sur le devant, vous avez bien les petits V. On les voit bien. Voilà. C'était une jolie laine. Parce que pareil, j'ai acheté des jolis écheveaux. Hop. Ouais, c'est de la Malabrigo. Je ne sais même pas si ça existe encore. C'est un châle que j'avais tricoté. Donc voilà ce qu'est un échantillon. Donc ça, avant tout projet, enfin, oui, tout projet que vous voulez faire, faites un échantillon avec votre laine pour savoir si vous tricotez mais déjà trop serré ou trop lâche et pour voir si vous êtes bon selon le nombre de points. Voilà, donc on peut voir que ouais, j'avais bien rempli, j'avais fait beaucoup beaucoup de projets, j'avais fait beaucoup de gilets. Vous voyez là, j'avais fait un châle en deux couleurs, donc j'avais fait un échantillon avec mes deux couleurs comme ça. Comme c'était pas la même. Il me semble pas que c'était la même marque, je sais plus. Mais on pouvait voir déjà un petit peu le rendu. Et pareil. Donc c'était un petit échantillon. Là, c'était encore un châle. Là, j'avais fait un tout petit échantillon. C'était juste pour voir si j'étais bonne en largeur. Voilà, si mon point il était bon. Voilà, tranquillou. Là, c'était encore un châle. Il y en avait vraiment beaucoup. Là, il n'y avait pas d'échantillon. Là, il y en avait un. J'avais fait un pull un peu marinière. Hop, donc. Alors, c'est bleu, hein, vous voyez noir, mais c'est bleu. Et j'avais fait un pull marinière. On va essayer de vous montrer. Voilà. C'était un petit pull avec quelques rayures. Surtout sur le haut et le bas, c'était que du blanc. Donc ça, pareil, je l'avais fait quand? En 2018. Là, j'avais commencé. Là, c'était en 2018. Hein. Mais avant, j'écrivais pas dans celui-ci. Je l'avais acheté après sa sortie. Donc là, c'était des chaussettes. Ça, c'était pour un gilet, donc pareil, hein, j'avais fait encore une fois l'échantillon pour voir si mon point était bon. Mes projets de printemps, ouais, j'en avais fait beaucoup. Hein. Là, pareil, j'avais fait un petit gilet, hop, donc pareil, hop, le petit échantillon qui va avec, c'était mignon là aussi. J'avais fait un gilet, toc, et pareil, on a l'échantillon. Donc c'était un caramel trop joli. Là, encore une fois, on a un petit échantillon. Bon, après, normalement, l'échantillon, il faut qu'il fasse. Ouais, normalement, on doit le faire 10 sur 10. Donc, il faut le faire un peu plus grand. Mais bon, parfois, je ne faisais pas. Je ne faisais pas de cette taille-là, c'était juste histoire de voir où était mon point.
voilà où il en était. Et puis ouais, ah regardez, ça c'était le modèle que j'avais fait pour, vous savez, pour la chaussette de Théo que je lui avais tricoté. Trop mignon. Donc là j'avais calculé combien il y avait de mailles et combien il y avait de rangs pour ne pas me tromper. Non mais écoutez, j'étais quand même appliquée, hein. J'étais quand même appliquée. Après, j'avoue qu'il est bien complet, ce petit carnet. Bon, je ne pense pas que je vais le racheter, hein. Ça ne sert à rien, j'ai la base. Donc, il y a même le crafting. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est pour... moi, je m'en servais beaucoup quand j'arrive au bout de ma chaussette. Quand j'arrive sur la pointe du pied, parce que je tricote les chaussettes... ouais, ça dépend. Soit je commence par la pointe et hop, je tricote en rond. Je laisse quand même un petit fil pour faire après le talon, le faire à la fin. Ou alors on peut commencer par le haut, par le tube et finir par la pointe. Et quand c'est comme ça, eh ben, il faut faire un crafting. Voilà, tout simplement. Donc ouais. Je ne sais pas encore si on a refait des... il était à 16 euros. Voilà, il était à 16 euros. Je vais regarder par curiosité si il existe encore. On ne sait jamais. Comme ça, s'il existe encore, je vous aurais mis le lien dans la barre d'infos. Je vais aller voir sur Amazon. Hop. Donc, Amazon. Et je vais écrire, c'est Bullet Journal pour tricopathe. Ok. Comment j'ai écrit ça? Tricopathe. Tricopathe. Ok. Alors. non, je ne vois pas. Il n'existe plus. Croyez-vous qu'il n'existe plus, les amis? Peut-être. Je ne sais pas. Tricopathe. Ah, mais c'est juste qu'il y en a eu beaucoup. Un vaste choix. Alors... par contre, moi je sais pas trop. Ouais, il en existe beaucoup, beaucoup maintenant. Oh là là! Ouais, il y en a beaucoup. Par contre, je vois pas celui de. Comment elle s'appelle? Mélise Carrara. Ok. Ben ouais, je le vois pas. Je vais taper directement son nom. Non. Bah non, écoutez les amis, après moult recherches, je vais voir Mélise Carrara. Ah, il y a la FNAC. Carnet créatif pour couture. Ah, apparemment, on en a aussi fait un pour la couture. Mais là, je vois que Mélise Carrara, tous les produits. J'accepte. Ah si! Oh. Pardon. Mais pardon. Non mais attendez les amis. On est d'accord que ça. Moi je l'ai eu à 16 euros. Pourquoi sur la FNAC?
Mais ils ont dû se tromper. Voir le produit. On va cliquer dessus parce que c'est pas possible, ça doit être une erreur. Non mais je vais vous montrer. Hein. Bon, vous le verrez à l'envers, mais je pense que ça vous piquera aussi l'œil. Mais regardez le prix. 300 euros. Pardon. Mais pourquoi? C'est devenu une denrée rare, peut-être. Parce qu'après, elle a fait aussi hein, pour la couture. Mais il est à 16 euros. Eh ben, dis donc. Waouh! Ouais, bullet journal pour tricopathe. 300 euros. Bon, bah, ne l'achetez pas. Ce n'est pas grave, les amis. Ne l'achetez pas. Non, mais c'est quand même foufou, on est d'accord, hein? Je suis quand même. Ça m'étonne en fait. Faites voir édition Hérol. Mélisse Carrara. Ok. Bullet journal pour tricopathe. Je clique dessus. Ah, oh, bah regardez. Attendez. Non, mais parce que là, si je vais acheter sur Amazon, c'est encore pire sur Amazon. Sur Amazon, il est à 394 euros, les amis. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez là-bas dans le coin, c'est un peu flou. Mais 394 euros, ça veut dire que là, dans les mains, j'ai quelque chose de très précieux. Hein. Waouh! Eh bien, dis donc, je suis quand même assez. Bah, waouh, quoi! Comment ça se fait qu'il est aussi cher? Et si je clique sur Erol, on va voir peut-être que chez Erol. Ah non, il est indisponible. Chez Erol, il est à 16 euros, mais il est indisponible. Donc je pense qu'il n'existe plus. Je pense qu'il n'existe plus. Forum. Je vais regarder dans le forum de ma ville. Non, c'est bon. Je ne veux pas découvrir le site, je connais le site par cœur. Bullet journal pour tricot pâte. Mélisse Carrara. Ok. Maintenant, il est indisponible. Il y a son carnet de couture. Ouais, non, franchement, il n'existe plus. Ben, écoutez, je suis un peu déçue parce que ben, il est vraiment super bien. Il est très complet. Il me reste quelques pages de projet. Donc, je pense que je vais prendre un carnet et puis je vais les refaire dedans, à l'intérieur d'un nouveau carnet. Sinon, très sincèrement, avant d'avoir celui-ci, du coup. J'avais j'avais celui-ci oh, ouais. J'avais celui-ci voilà, c'est un cahier tout simple de chez Monsieur Wonderful dedans il y a des modèles, il y a des pas oh regardez il y a Belle si c'est pas mignon. Donc ça c'était un cale culture de pelote. Ok. Par contre, j'avais pas mis la date encore. Alors attendez. J'essaye de trouver le projet pour vous montrer. Ouais, non, je me prenais pas trop la tête. J'avais pas mis la date. Vous voyez, je comptais tout. Je faisais des barres, des points pour une augmentation et tout. Ah, je comptais tout de chez tout. Hein. Il n'y avait pas de.
Ça, c'était un gilet cardigan. Ok. D'accord. Mais par contre, je ne mettais pas de date. Ah, si. Ça, c'était. Je l'avais commencé le 11 mars et je l'avais terminé le 26 mars 2019. Donc, c'était même après celui-ci. Parce que celui-ci, je l'avais commencé en 2018. Ouais, bah écoutez, c'était après. Donc non, je pensais que c'était avant, mais finalement non, c'était bien après. Donc là, c'est pareil, hein, j'avais plein de projets, des patrons, je notais tout. Vous voyez, c'était vraiment... Parce qu'il faut en faire beaucoup des rangs. Il faut en faire beaucoup. Ça, c'était plus pour faire des manches. Comme ça, je pouvais compter à chaque fois combien moi personnellement il me fallait de rangs pour mon bras. Parce que ben, je suis petite, les amis. Eh oui, je sais, vous êtes choqués. Vous pensez que je faisais 1,80 m, je sais, je sais. Mais pas du tout. Je rigole. Donc, ouais, du coup, j'ai des petits. Enfin, ouais, bon, après, ça va, mais. Donc voilà, il y avait des sections, il y avait. Je notais tout, franchement. Ouais. Donc là, bah après, vu que j'étais testeuse tricot, j'avais des deadlines à respecter. Et comme il fallait que je note le moindre souci, le moindre. S'il y avait une petite coquille, eh ben, je devais le rapporter tout de suite pour bah, que la créatrice. Parce qu'en l'occurrence, c'était beaucoup des femmes, et ben pour que la créatrice vienne le changer. Voilà, donc il fallait tout vérifier. Fallait vraiment tout vérifier. Donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai. Ouais, ça c'était en 2000... 2000 quoi? 2020. Ça c'était en 2020. Ouais, c'était en février 2020. Après, j'avais arrêté. Après, il y avait eu le Covid et tout. Ouais. Non, mais on va reprendre. Ça va être cool, les amis. J'ai trop hâte. Oh, ce cardigan, je l'adore. Ce cardigan. Alors, je ne saurais pas vous dire. Vous dire le nom parce qu'il n'est pas en français, mais. Un cardigan que j'aimais beaucoup beaucoup. Bon, il reste pas beaucoup de feuilles dans mon carnet. Non, mais je prendrai un autre carnet. Je prendrai un nouveau carnet pour noter tous les nouveaux projets que je vais faire. Ouais, et j'ai trop hâte parce que bon. Non, mais je faisais vraiment du tricot. J'étais à fond dans le tricot, tricot, couture. Je faisais aussi beaucoup de couture, des robes, des jupes. Je faisais quoi? J'ai fait quoi au tricot? Je faisais aussi beaucoup de sacs, de pochons. Ouais, j'avais même fait une vente pour l'école. Ils avaient demandé de créer des petites choses. Et puis moi, je leur avais fait plein de pochons pour mettre des livres. Bref, comme ça, ils ont pu les mettre en vente. Et voilà, j'avais même pris ça pareil, j'avais acheté. C'est les chevaux solitaires. Je ne sais pas si ça existe encore. J'en ai aucune idée. Mais ouais, j'étais vraiment à fond dans le tricot, dans la couture. Est-ce que je faisais du colo? Je ne sais pas. I don't know. Donc ouais, ça, on va dire que ça me servait aussi de sac à projet. Tous les petits pochons comme ça, c'était mes sacs à projet où je mettais mes petits projets en tricot. Bon, là, j'espère qu'avec la petite Mimi, elle va pas me voler mes laines. Sinon, il me reste de jolies laines encore. J'avais aussi acheté celui-ci, le guide de Lise Taylor, pareil aux éditions Erol. Je me mets au tricot. Et à l'intérieur, il y a plein de conseils, comment utiliser
comprendre la laine, ben voilà, comprendre la laine et bien la choisir. Non, franchement, il est super intéressant. Il est vraiment super intéressant, son bouquin, surtout si on est vraiment débutant. Tout savoir sur les aiguilles circulaires, les aiguilles droites, les accessoires, lire une étiquette, comment bobiner un écheveau. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'échantillons, si c'est indispensable ou pas. Bref, comprendre un patron, parce que c'est vrai que au premier abord, ça peut faire peur. Surtout s'il y a de la dentelle, s'il y a des torsades, s'il y a des augmentations, des diminutions. Et ça peut vite faire peur, mais c'est comme tout, hein. Au début, on ne sait pas trop. Et puis après, une fois qu'on s'y met, ben ça va tout seul. J'avais gardé ça. Ah ben voilà. Là, on a toutes les abréviations les plus utilisées dans les modèles tricot. Il y en a beaucoup, hein. Il y a aussi le vocabulaire en anglais et en français. Parce que, ouais, c'était la folie. Tricoter les torsades. Bon, moi, j'avoue qu'à force, les torsades, j'avais plus besoin de l'aiguille qui sert à garder vos mailles pour faire la torsade. Elle est rigolote, l'aiguille, je vais vous la montrer. C'est des petits coudes, vous voyez? Comme ça, vous mettez vos petites mailles en attente et après, vous venez les glisser pour les retricoter. Mais à force, j'arrivais à faire les torsades sans ça. Voilà. On acquiert la technique en faisant régulièrement. Donc, ouais. Ah, il y a aussi pour le jacquard. Comment tricoter le jacquard pour pas que ce soit trop serré. Le jacquard, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on a un projet où on peut faire des petits dessins. Donc là, il y a des petits moutons, comme vous voyez. Et bien, ça, c'est du jacquard. Comme j'ai fait la chaussette à Théo avec les étoiles et tout, les petits flocons, et ben ça c'est du jacquard. Voilà. Et il faut pas trop serrer, sinon c'est pas très beau. Voilà. Et après, une fois que normalement on a terminé notre projet, il faut venir l'épingler quand on le lave. Pareil, parce que c'est rigolo quand on lave un projet tricot. On le fera, vous allez voir, ça va être trop chouette. Bref, en tout cas, ce bouquin de Liz Taylor. Alors, je sais qu'après, elle avait ouvert sa boutique où elle vendait du tissu. Donc j'avais acheté, hein, j'avais acheté quelques tissus. Je ne sais pas si ça existe encore. J'en ai aucune idée. Mais ça, encore une fois aussi, ouais, c'est. Ça date un petit peu. Hein, écoutez. 2018. Ça date un petit peu. Je pense que vous pouvez le retrouver celui-ci, à mon avis. Je me mets au tricot. Base et technique du tricot d'aujourd'hui. Voilà. C'était plutôt sympa. Je ne sais pas si elle a encore sa chaîne YouTube. Je vais regarder comme ça. Si elle l'a, je vous la mettrai en barre d'infos. J'aimais bien. Après, elle tricote vite. Je me rappelle que Liz Taylor, c'était une fusée du tricot. En plus, elle tricote. Je vais voir. Liz Taylor. Est-ce qu'elle fait encore du tricot ou quoi? Oui, il y a 9 jours. Alors, c'est Vlog with me. Oh, super, elle fait même des petits vlogs. Ah, bah écoutez, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Liz Taylor. Alors, je vois qu'il y a beaucoup, il y a de la couture. Conseil tricot, mes aiguilles et moi. Très bien. Bah écoutez, je vais m'abonner. Et puis, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, si ça peut vous intéresser. Voilà. Après, ça peut être toujours intéressant. Ok. Du coup, oui, il me reste quand même des, comme on dit, des jolies laines. C'est des laines teintes à la main. J'en avais acheté. Alors, moi, je demandais qu'on me les bobine. Parce que sinon, on les reçoit en écheveau, tout torsadé. Mais après, il faut les bobiner, il faut acheter ben, le matériel pour. Et déjà, à l'époque, c'était cher pour moi.
Je veux pas regarder, c'est bon. Le bullet journal, là, il... c'est bon. J'ai pas envie d'aller voir. Donc, j'ai celle-ci qui me reste. Celle-ci aussi, elle est toute douce. J'ai celle-ci qui est belle. En fait, j'en avais acheté pour me faire un châle. Je vais vous montrer les couleurs. Je vais vous montrer. Ça, c'est... Ouais, c'est ça. C'est les laines de yarnbysimone.com. Je sais pas pareil si ça existe encore. Aucune idée. C'est de la fingering. Fingering. Ouais. I don't know. Mais en tout cas, j'adore, j'adore, j'adore. J'aimais beaucoup ce type de laine. C'est de la laine, c'est tout fin. Alors j'ai des restes, hein, j'ai beaucoup de restes de laine. Vous voyez que j'ai en petite boule. Faudrait voir pour faire un petit projet en jacquard, pourquoi pas. Mais bon. Oh là aussi, j'en ai eu un petit reste. Trop beau. Celle-ci, c'est vraiment trop beau. Ça vient de The Woolly Skin. Sûrement. Pareil. Hop, des petits restes. Je les garde parce que c'est de la jolie laine. Et puis. Ah, sinon, si. Oh, j'ai une illumination. Waouh! Là aussi, on a de la laine marron. Pourquoi pas en faire un plaid? En faire des. Vous savez, des carreaux. Et puis venir tous les coudre ensemble. Ça peut être cool parce que ça, c'est vraiment un petit pochon avec de la laine. Mais que voilà, j'ai pas envie de jeter parce que c'est de la jolie laine. Mais en même temps, il ne m'en reste pas beaucoup pour pouvoir faire un projet. Donc pourquoi pas? Sinon, en laine où vraiment il m'en reste. Enfin, où les écheveaux, ils sont pleins. J'ai mis une pause pour pas vous casser les oreilles. Donc voilà. J'avais acheté celui-ci. Donc ça, c'est un gris bleu. Avec celle-ci. Hop. Et celle-ci. Voilà. Je voulais faire soit un châle en jacquard avec les trois couleurs. Je sais pas, je pense pas que j'aurais assez pour faire un pull. À l'époque, j'aurais eu assez parce que j'avais pas ce corps de rêve. Là là. J'étais plus fine, voilà. Donc je pense pas que j'aurais assez pour me faire un pull. Mais ouais, pourquoi pas me faire une jolie écharpe, une longue écharpe avec ces trois coloris-là. Pourquoi pas? Et donc c'est de la laine de Yann Barn by Simone. Oh là là. Bref, je vous mettrai si vous voulez dans la barre d'infos. Par contre, à l'époque, quand j'avais acheté ça, c'était à peu près 18 euros. Hein? Oui, vous avez bien entendu. Parce que c'est de la laine teinte à la main. Voilà. Et donc maintenant, je ne sais pas. J'irai pas voir. Vraiment, j'irai pas voir. Si quelqu'un va voir si elle existe encore, sa boutique, j'espère, hein, parce que c'était quand même du beau travail qu'elle faisait. Dites-nous. Quelqu'un va voir et vous nous dites juste le prix d'un. Donc, c'est du. Du fingering. Voilà, c'est du mérino et du nylon. Donc normalement c'est pour les chaussettes, socques, pour les chaussettes. Mais on peut s'en servir pour faire un petit pull, un châle. Voilà. Bref, donc voilà, ça je pense que ouais, je m'en ferai une jolie écharpe en jacquard, pourquoi pas. À voir, les amis. Hop. Je vais beaucoup parler, mais bon, c'est pas grave. Ça vous fera un moment de vie long pour le regarder ce week-end, tranquille. De toute façon, j'ai pas sommeil, donc autant que je papote avec vous. Sinon, donc, on a besoin d'aiguilles, on a besoin de câbles. Moi, je tricote pas sur aiguille droite. Ça fait trop longtemps que j'avais appris quand j'étais petite sur aiguille droite. Mais depuis, j'ai utilisé les aiguilles circulaires, donc
j'ai l'habitude de ça. Donc sinon, on a besoin, bien évidemment, de ciseaux. Donc j'avais pris un petit pochon chez Lily Comme Tout, ça s'appelle. On voit pas le comme parce qu'il est tout tout fin, mais c'est Lily Comme Tout, pareil, une petite boutique qui avait, ah ben là on le voit bien, Lily Comme Tout. Donc là on a, c'est trop joli, je vais vous montrer. Hop, regardez. C'est une petite étoile bleue et on peut accrocher. Hop, il y a une petite truc pour accrocher. Et ça, faut pas que je fasse tomber. Donc, vous voyez, on a une petite boucle, enfin un petit anneau avec une petite perle. Bon, c'est vraiment une petite déco, hein. Je vous montrerai demain. Parce que il peut y arriver qu'il faille, surtout si on fait un pull, vous savez, pour calculer les manches. Parce que quand on vient faire un tricot, quand on vient séparer les manches, où je vous montre mon dessous de bras, c'est pour vous expliquer. Donc on vient tricoter en aller-retour, et dès qu'on va arriver aux manches, et ben il va falloir mettre les petits anneaux pour après laisser la place. Ben, pour faire la manche, justement. Donc, on aura besoin de ça. Pareil, si on a besoin pour compter de la dentelle, pour ne pas se tromper. Parce que il peut y arriver qu'on se trompe. Et quand il faut défaire de la dentelle, c'est douloureux. Voilà. Donc, ça sert vraiment à compter les rangs. Je sais que j'avais créé des comptes-rangs aussi. Parce que des fois, ben, il faut faire un... On va dire, il faut faire une petite dentelle, un petit quelque chose tous les 10 rangs. Donc, du coup, il y avait des comptes-rangs qui servaient à ça. Donc, j'ai ça. Il y a quoi d'autre dans mon petit pochon de Lily Comme Tout? Un petit ciseau tout mignon. Voilà, que je pourrais même utiliser pour la broderie. Hop. Et on a, ah oui, le mètre. J'ai un mètre ruban, mais je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite mimi juste à côté. Et là, il est 23h49, donc c'est pas le moment de jouer. Voilà. Donc ça, c'est mon petit kit, hop, que je mets tout le temps dans mon petit pochon. Voilà. J'en ai aussi un avec plein de... Vous voyez ? De toutes les formes, de toutes les tailles. J'ai mon aiguille pour rentrer la laine. Hop. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est pour pas me piquer. Tout simplement, c'est pour pas me piquer. Regardez, hop, on fait la petite aiguille. Et là, il y a un petit trou, et comme ça, hop. Parce que des fois, quand je viens fouiller, je ne fais pas forcément attention. S'il me faut un petit... je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus du tout. Mais j'en ai vraiment de toutes les formes. Il y a même un sapin de Noël. Regardez, il est mignon. Un petit sapin de Noël tout mignon. Bon, vous ne le verrez pas parce que ça ne va pas faire focus. Mais bon. Hop. Il y en a plein. Il y en a de toutes... hop. Ouais, il y en a vraiment tout plein, tout plein. Il y a des petites cloches. Oh, regardez. La petite tasse de Madame Samova. Si c'est pas trop mignon. Mais bien sûr que c'est. Donc oui, voilà, quand j'ai besoin d'un petit anneau, je regarde pas forcément où je mets mes doigts. Je pioche dedans. Donc je veux pas me piquer. Donc j'ai mis ce petit embout. Voilà. Hop là pour ça. On va y arriver, hein. Si mon enfant est là, il va dire, maman, qu'est-ce que tu fais? Je discute. Bah, voilà. C'est comme ça. Donc ça, c'est bon. Ça, pareil, j'avais trouvé ça à Zeman. C'est pour quand on fait les manches, mais qu'on continue notre projet, et ben, il faut mettre les mailles en attente. Voilà. Donc toutes les mailles, on va venir les mettre ici.
Et après, on vient fermer. Et ça reste sur notre projet comme ça. Et dès qu'on va venir faire les manches, et ben on va venir les récupérer. Voilà. Ouais, y a plein de petites choses là-dedans. Hop, voilà pour ce qui est des aiguilles, tout ça, tout ça. Et donc, pour la laine, pour faire mon projet, je suis allée cet après-midi à la mercerie. J'avais vu une jolie laine. Elle était bleu ciel, avec plein de petites, on appelle ça des sparkles. C'est plein de petites points de couleur. Donc, il y avait des petits points de couleur bleu foncé, un peu violet. C'était vraiment super beau. Mais quand elle m'a dit le prix d'une pelote, j'ai dit non, ça va, c'est pas... c'est non. Voilà, c'est non merci. Une pelote 9,99 €. En sachant que pour ma taille, enfin pour mon... moi je voulais une taille L, et pour la taille L, il m'en fallait 7. J'ai dit non, ça va, non. Du coup, voilà. Donc elle a compris, hein. Je la connais bien, la mercière, la dame de la mercerie. Même si j'y vais pas souvent, voilà. Elle se rappelle tout le temps de ma petite tête. Voilà. Donc ouais, je lui ai dit que c'était pas grave, que je verrai ailleurs, et puis c'est ok. Donc je suis partie à Zeman, voilà. Parce que oui, le prix n'est pas le même, la qualité non plus, parce que là c'était vraiment un écheveau, c'était de l'alpaga. L'alpaga c'est comme une sorte de lama. Mais j'aime pas forcément l'odeur, parce que ça peut avoir une odeur une fois mouillée. Moi, vous savez, moi et mon nez. Voilà, donc on va pas trop non plus le perturber. Voilà, donc du coup, je suis partie sur ça. Ah, c'est presque pareil. Mais, oui, je vous l'accorde, c'est presque pareil. Je dirai rien. Donc ça s'appelle, c'est de la Julia. Julia, c'est à l'envers, de Zeman. Et une pelote, c'était 2 euros. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Est-ce que j'ai la note là-dedans? Non. En tout cas, c'était 2 euros et quelques. En tout, j'en ai eu pour... J'en ai pris 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'en ai pris 8. J'en ai eu pour moins de 20 euros. C'est clair et net. Et ça va très bien. Donc, la Julia, comme ça, elle pique pas. Il faut regarder là. Voilà. Si vous sentez qu'ici ça pique, ne prenez pas. Parce que vous ne pourrez pas mettre votre veste ni votre pull. Parce que ça vous piquera vraiment tout le temps. Donc là, non, ça pique pas. Du coup, c'est avec celle-ci que je vais faire mon gilet. Voilà. Donc ça se tricote en aiguille 7-8. Voilà, ça va très bien. Là, ça vous marque quand même l'échantillon. Si vous tricotez avec une aiguille 7-8, ça vous fait un échantillon de 14 mailles sur 20 rangs. Voilà. Et là, pour le projet, que je le trouve, je suis outrée du prix du bullet journal, vraiment. Il est là, ouais. Et là, nous, il nous faut un échantillon. Est-ce que vous dites 11 mailles. Donc là, ça fait 14 mailles sur 15 rangs. Et là, c'est sur 20 rangs. Donc, du coup, ça fait trop de rangs. Mais moi, comme je tricote serré, je pense que ça ira. Je vais prendre une aiguille, par contre. Je vais prendre. Ouais, je vais. Ma plus grosse aiguille, c'est du 8. Là, pardon, ici. Donc, je vais faire l'échantillon en 8. Et comme ça, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Je vais faire ça. Et puis, pourquoi pas le commencer
avec vous, hein, tricoter tranquillou bilou, les amis. Pourquoi pas? Donc là, je vais prendre ça, pardon, mon câble, celui de 60 cm, ça va très bien. Mes aiguilles. Hop. J'ai jamais tricoté en 8. Elles sont vraiment intactes parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup tricoté en 3,5. Surtout pour les châles, en 3 et 3,5. Et en 4, 4,5, 5. Peut-être quelquefois 5,5, mais pas plus. Donc ça, hop, on récupère. On vient prendre le petit sachet. Oui, parce que du coup, j'ai tout regroupé là. Le petit sachet avec... cette petite canne. Oh, elle a tout fait tomber là-bas, j'ai entendu. C'est pas grave. Donc ça, les petites cannes comme ça, hop, ça va venir, c'est pour serrer sur le câble. Alors, la petite Mimi, je ne connais pas la laine, donc j'espère, vous voyez, il y a un petit trou là. Je sais pas si vous le verrez, le petit trou. Mais normalement, oui, juste là. Voilà. Donc ça, on vient le mettre dans le petit trou. Voilà, vous voyez. Donc. Et comme ça, on peut venir serrer. Je ne prends pas du bon côté, donc ça ne va pas le faire. Vous voyez, vous avez simplement à visser. Voilà. On visse, on visse. Oui, je l'ai fait tomber. Oui, 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 tout à fait. Je l'ai récupéré. Écoutez, il est 23h58. Il ne faut pas m'en vouloir. Voilà. Donc là, hop, hop, on serre. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Et là, on aura installé déjà notre et nos aiguilles. Ce qui est plutôt cool. Hop. Voilà, on serre bien. Et là, on a nos deux aiguilles reliées à notre câble. Toukoutouk. Et c'est ça, une aiguille circulaire. Donc ça, on va mettre de côté. Ça, on le range parce qu'on ne veut pas le perdre. Hop. J'aime bien cette petite trousse. Franchement, j'étais trop contente. Hein. Est-ce qu'il y a encore un prix? Non. Je sais même pas si ce code barre il fonctionne encore. Mais ouais, j'étais vraiment contente de l'avoir pris. Parce qu'avant, dans ma ville, il y avait une boutique fil d'art. Donc c'était pratique, du coup. Mais là... ils l'ont fermé, mais alors, ils l'ont fermé assez vite, je trouve. Et puis, en plus, les personnes répondent, enfin, je ne veux pas dire les caissières, c'était pas des caissières, mais... enfin, elles ne faisaient pas que la caisse. Mais les personnes qui travaillaient là-bas, des fois, on venait même à 15h30, il y avait un petit papier pour dire « je reviens ou... ». Ils avaient peut-être pas envie de travailler, en tout cas, bref. Ouais, c'était bizarre. Ça, je le mets de côté parce que, eh ben, c'est mon petit câble. Hop, on met de côté. Ça, je le mets de côté parce qu'il y a mon ciseau et tout dedans. Hop, mais on va ranger le reste. Parce que j'aime pas quand c'est le bazar. Donc, ça... pareil pour mon petit kit de bonnet là. Je le remets dans ma trousse. Et au moins, là je sais que j'ai toutes mes aiguilles. Bon, par contre, j'ai cru que je l'avais perdu tout à l'heure. J'ai cherché de partout. Mais où ma trousse et tout. Et puis après, bon,
Illumination. C'est là, t'inquiète pas, tu ne l'as pas perdu. Je vais boire un peu de café qui va être froid. Burk. Burk. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, je vais garder ça de près avec ma petite laine. Je vais le planter dedans. Je vais vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Comme ça, je ne le perds pas. C'est dedans. Voilà. Quick. Et ouais, je pense que je vais. Oh, ça fait 1 heure que je vous parle, les amis. C'est insupportable. Et le pire, c'est que je ne suis même pas fatiguée. Oh là là. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que là, je vais m'arrêter là pour maintenant. Mais je vous retrouverai avec joie demain. Voilà. Je pense que je vais, là, juste après, là, je vais déjà faire le montage des plans précédents. Et comme ça, demain, la petite partie où je fais l'échantillon et tout, bah, j'aurai juste ça à faire en montage. En montage. Pour que vous ayez la vidéo à 18 h. Voilà, parce que demain, je pense que ça va être une journée assez, assez chargée quand même entre le fait de préparer toutes les commandes, le monsieur de l'entretien qui doit venir. J'ai pas reçu mon colis, vous savez, pour mes cadeaux de Noël. Il est où? Bougez pas. Il est en Allemagne apparemment. Voilà. Il est en Allemagne. Donc, bah, écoutez, on verra. Hein. C'est pas très grave. Hein. Peut-être qu'il arrivera demain ou après-demain. Au plus tard, de toute façon, il doit arriver le 18. Donc, on verra bien. On va pas non plus être. C'est juste que je suis impatiente. Et puis, c'est tout. Écoutez, c'est comme ça. J'ai plus rien. Refresh là. Attendez, il faut que je mette en français parce que là je ne comprends rien du tout. Je peux pas traduire. Je sais pas. Traduire. Votre colis a quitté l'installation du transporteur. Sais pas ce que ça veut dire. Ah, il va traduire. Traitement supplémentaire. Bah, écoutez, on verra bien. En tout cas, voilà, je pense que ce sera là demain. À mon avis, ce sera là demain. Traité à l'agence DHL. De toute façon, il est en Allemagne, donc bah écoutez, je pense qu'il sera là demain. En tout cas, j'espère. Du coup, moi, ce que je vais faire, vu que pour l'instant j'ai un peu sommeil, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire ma petite toilette du soir, me démaquiller, me débarbouiller, me mettre en pyjama. Voilà. Et je pense que je vais commencer à préparer mon carnet. Mon carnet de pour le tricot, voilà, parce que ben, il faut. Voilà, et ça c'est une petite trousse que j'avais faite moi. J'avais fait la même pour ma petite soeur. Ma petite soeur, j'avais fait beaucoup plus grande, et dedans il y a plein de poches. Il y a plein de est-ce qu'il y a des poches? Oui, il y a plein de poches dedans, mais vous verrez pas, il y a trop de bazar. Vous voyez, il y a plein de petites poches et tout. C'était la mode aussi de faire nos petits sacs. Et là, c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir pour le fond. Et ça, c'était du tissu un peu tartan. Parce que ma soeur, elle aimait beaucoup, enfin, elle aime beaucoup, elle aime toujours autant à Outlander. Donc, ouais.
Oui, je parle encore. Non, mais c'est insupportable. Non, c'est cool. Écoutez, moi j'aime bien parler avec vous. Donc, je vais vous laisser là. Je ne vais pas vous dire bonne nuit parce que vous, quand vous verrez la vidéo, ce sera tout à la suite. Mais ouais, je vais préparer ça et puis je vous retrouve demain. Hey les amis, je vous retrouve après cette courte nuit. Non, c'est pas grave. Écoutez, c'est comme ça, ça va. Je viens pour vous montrer la couleur. Parce que on ne voyait pas trop. Vu que c'était avec la lumière. Moi, ma lumière du salon, elle est quand même jaune. Donc voilà. Du coup, c'est celle-ci comme couleur que j'ai pris. Azeman. Où il sera toujours écrit à l'envers, hein, bien évidemment. Et je la trouve super jolie. Et je trouve que ça va. Ça m'ira bien au teint. Et puisque c'est important, il faut quand même le calculer. Donc voilà. Donc là, je vais faire l'échantillon. Normalement, j'aurai le temps parce que là, il est tôt. Enfin, il est tôt. Il est 9h pile. Il est 9h pile. J'ai le monsieur de la chaudière pour nettoyer la chaudière. Il vient une fois par an. Qui vient, c'est aujourd'hui. Mais je ne sais pas à quelle heure. Donc, on verra. Pour ce qui est de mon colis, il n'est pas arrivé hier. Mais là, ça me dit que il est. L'envoi a quitté le site DHL Lyon-France. Donc, si je comprends, c'est qu'il est parti de Lyon. Donc, il devrait arriver dans la journée. Donc, pareil, j'aurai ça à surveiller. Voilà, à la fenêtre. Pour pas qu'il s'enfuit avec mon colis. Sinon, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin? Ben, j'ai fait mon temps calme. Je me suis occupée de Théo, bien évidemment. Il est parti à l'école. Alicia aussi. Donc, ça, c'est OK. J'appelle ma petite soeur vers 13h à peu près. Donc, comme ça, quand je serai en train de papoter avec elle, moi je continuerai mes commandes, tranquille bilou. Voilà, ça ira très bien. Et là, ouais, je voulais finir quand même ben, ce moment de vie pour aujourd'hui. Comme ça, il sera prêt pour ce soir. Et comme ça, après, je pourrais. J'aurai l'esprit léger. Je sais que vous aurez une petite vidéo tout à l'heure à regarder. Voilà. Parce que c'est quand même important. Du coup. J'ai pas commencé mon carnet de suivi. Je pense que je vais prendre celui-ci. Vous vous rappelez? Je l'avais acheté à T. C'était quand? Cet été? Je sais même plus, les amis. Il est ligné. Mais je pense que je vais prendre celui-ci pour me refaire mon carnet de suivi de mes tricots. Même si, bon, là je vais. Je vais y aller doucement, hein, parce que bon, voilà. Il faut reprendre la main. Donc, je pense qu'on va partir sur ce petit carnet. Parce que sinon, j'ai lui, mais il est trop petit. Vous voyez celui-ci? J'ai lui, mais il est tout petit. Donc, j'ai peur que ce soit un peu trop petit quand même pour. Et lui, il est à petit carré comme ça. En quadrillage, regardez pas mes ongles, ils sont pas de la même taille, ils se cassent tous. Enfin, c'est pas qu'ils se cassent tous, c'est que ils poussent assez facilement. Enfin, comme mes cheveux, hein, ça pousse vite. Mais en fait, ils ont tendance à se casser au milieu. Donc dès, on va dire ici là, eh ben c'est déjà cassé un peu. Donc du coup, ben, dès qu'il arrive au bord, ben, l'ongle est déjà cassé. Voilà. Donc, je sais pas, ma fille, elle veut me les faire. Parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour les faire, vous savez, en gel ou je sais pas trop quoi, là. Je sais pas. Je sais pas, mais en même temps, je me dis, bah, au moins, il casserait pas. Mais, je sais pas trop. Bah, ça va être long d'attendre comme ça. Qu'elle me fasse les ongles et puis, ouais, je sais pas. On verra, de toute façon, vous verrez, on verra bien. J'ai coupé parce que j'entendais du bruit en bas, mais non, c'est mon voisin qui parle.
C'est pas mon colis qui arrive. Donc ouais, lui, il est trop petit. Ça, je l'avais eu sur Amazon. Vraiment, il n'était pas si cher que ça. Ouais, peut-être 2-3 euros. Voilà. Ouais. Sinon. Sinon, celui-ci, j'ai ça, mais bon, j'ai ça comme carnet, du carnet tout simple qui viennent de thé. Hein. J'en avais pris à la rentrée. Je me suis dit que ça servira toujours en cahier de brouillon. Du coup, ma fille en a pris quand même pour le lycée. Et il en restait quelques-uns. Donc, il y en a un que j'utilise. Il est avec mes bibles là à côté. Il m'en reste encore deux. Donc, je sais pas. J'ai peur que ça soit trop grand. Vous voyez, il est quand même grand. Je pense que c'est un format B5, ça. Ça, c'est du A5. Ça, c'est du B5. Ouais. Le B5, c'est entre le A5 et le A4. Voilà. Oui, je sais. J'aime bien connaître les tailles des carnets. Depuis longtemps. C'est comme ça. Donc, ouais, je pense que je vais partir sur celui-ci. Il est mignon, il est tout beau, il a des fleurs. Il est vraiment très joli. Donc, on part sur ce petit carnet-là. Je sais pas, je ne veux pas le faire maintenant, je pense pas. Déjà, je vais m'occuper de l'échantillon. Et puis, on viendra le faire. Donc, on a trouvé le carnet, donc ça c'est merveilleux. Je vais plonger dans mon pochon. Du coup, je viendrai prendre, hein, je vous avais montré, je viendrai faire comme elle a fait là pour ses fiches. Voilà, mes projets. Hop, elle marque le modèle. Le fil, la laine, les accessoires, s'il y a des boutons, des rubans, des fermetures éclair, parce que bah, si on fait un gilet avec une fermeture éclair, voilà, venir noter la référence. L'échantillon, donc, voilà. On colle l'étiquette, on peut mettre une photo, la progression, ok. Donc, je pense que je vais prendre la même base, voilà, tout simplement. Et voilà, et je suivrai mes projets tricot comme ça. Je pense que ça peut faire l'affaire. Voilà, tout simplement. Et je suis bien triste qu'on puisse plus le retrouver parce que vraiment, en plus, il est tout souple, il est tout. Enfin, ouais, vous avez vu. C'est comme ça que j'avais fait pour faire un marque-page. Vous aviez pas remarqué. Moi non plus, j'avais pas remarqué. Donc c'est que c'est bien fait. Parce que j'avais pas remarqué. Je viens de le remarquer que maintenant. Ah là là. Donc ouais, on va faire ça. Enfin, on va faire ça. Je vais faire ça. Pour les aiguilles, bah, on avait déjà. Ah, il est où? Ah, c'est dans celui-ci. Hop, j'ai déjà planté mes petites aiguilles là-dedans. Donc je vais partir sur du 8. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Le modèle, il se tricote en. Je crois en 6, il me semble. Bougez pas. Kikoutiak en 8. Ouais. En 8 et pour les manches en 6. Donc, je vais partir sur du 8. Et puis, on verra bien. Et l'échantillon, celui-ci, il est plus grand. Donc, je me dis que la laine est plus grosse. Donc, ça devrait le faire, à mon avis. Donc, ouais, à mon avis, ça devrait aller. Hop, comme ça, ouais, ce matin, je fais ça, tranquille, bidou. J'ai rangé un petit peu quand Théo est parti à l'école. J'ai pris le temps de ranger la cuisine, faire la litière des chats. La litière des chats, je la fais régulièrement, vu qu'ils sont deux. Ils ont une litière pour deux et ça va très bien. Hein, parce que j'avais lu sur des sites qu'il fallait le double de litière pour un chat. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un chat, il faut mettre deux litières dans la maison. Oui. Si on achète une maison pour exprès pour les chats, on peut mettre plein de litières dedans, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne me vois pas mettre 4 litières dans mon appartement. Non, ça va très bien. Écoutez, ils font pipi
et pour tous les deux dans la litière, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Après, c'est sûr que je la change tous les jours, voire tous les 2 jours. Voilà, c'est certain. Après, il faut juste le faire, hein. du moment qu'on change la litière, après, ça ne pose pas de problème. Bref. Des fois, les gens. Du coup, voilà, donc j'ai fait le ménage. Il faut juste que je plie le linge parce que c'est bon, il est sec. Donc, il faut que je plie le linge. Je ne sais pas si papy va me ramener du linge parce que papy mange avec nous à midi. Nous sommes vendredi. Donc, papy mange avec nous. Et puis, ouais, c'est tout, je pense. Je pense que c'est tout. Ça fait déjà 10 minutes que je vous parle, mais c'est. Je m'étonne à chaque fois, mais bon. On va juste en prendre l'habitude et puis c'est tout, les amis. On m'a demandé si je pouvais faire mon tricot de la veste là en vidéo. Alors, dites-moi si ça peut vous intéresser, je ne sais pas du tout. Au moins reprendre les grands points, quoi, les points clés. Après, j'espère juste que ce tricot-là, que ce gilet, que les explications, elles sont bien. Hein. Parce que des fois, c'est vrai que sur Drop Design, il manque. Parfois, il peut manquer des étapes. Moi, j'avoue. Donc, ouais, à voir. À voir, les amis, parce que je me suis dit, au pire, je peux le commencer comme ça. Déjà, faire l'échantillon pour voir si ça correspond. Donc, ça, l'échantillon, je peux le faire avec vous en vidéo, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous pouvez, vous, si vous avez envie. Faire un échantillon aussi, il n'y a pas de souci. Ouais, je sais pas. Ah, il y a des poches. Oui, c'est vrai qu'il y a des poches. Des manches. Tricoter en rond. En fait. Ce qu'il y a de bien dans les modèles de Drops Design, c'est que la plupart du temps, les modèles proposés, comment dire, moi j'ai appris à tricoter un pull, j'ai appris à tricoter un pull sans couture, c'est-à-dire que je viens faire les augmentations ici, là et derrière. Donc pour les deux côtés, donc je commence par le haut, je tricote en faisant les augmentations, et après on met, quand on arrive en dessous, en attente, le tour de, enfin les mailles pour les manches, ok. Ensuite on vient faire le corps, tout touk touk touk. Une fois qu'on a la bonne longueur pour le corps, on vient, ou alors avant, hein, vous pouvez très bien faire les manches avant, mais bon, ça peut gêner un petit peu d'avoir des manches qui se baladent comme ça pendant qu'on tricote. J'ai eu l'image dans ma tête, bref. Donc du coup, on vient après reprendre toutes les mailles qu'on a mises en attente, en rajouter quelques-unes en dessous, et on part en rond, tout 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 tout, jusqu'à temps qu'on arrive au bout pour notre manche. Voilà. Moi, j'ai appris à faire des pulls comme ça, des gilets, à les faire sans couture. Voilà. Donc là, ça va être avec des coutures. Le souci qu'il y a, c'est qu'après, il faut bien faire les coutures. Sinon, après, ça se voit et ça peut ne pas être très beau. Mais bon, ça peut permettre aussi, bien évidemment, de pouvoir faire cette veste en vidéo. Parce que, ben, du coup, on aura des morceaux, une manche, une autre manche, le devant, vu que c'est un gilet, on aura le devant droit, le devant gauche, le dos. Et une fois qu'on aura tout assemblé, on viendra faire le col. Voilà, tout simplement. Donc, à voir. Ah, en plus, il a été corrigé. Faites voir. D'accord. Il y a eu quelques corrections sur le patron. Mais ouais, écoutez, même pour les poches, on les tricote de l'un des fils.
Tricoté en jersey. Mais je comprends pas pourquoi ils disent un point mousse alors que c'est du point endroit. C'est ça qui me perturbe un petit peu ma petite tête. Voilà. Bref, les amis. Voilà, je vais encore parlementer, mais c'est pas très grave. Donc voilà où on en est maintenant tout de suite. Hop. En tout cas, je suis ravie de me remettre au tricot, même si ça prendra du temps, même si je sais, il y en a, ils vont me dire, oh là là, tu commences un nouveau loisir créatif. Non, je commence pas un nouveau loisir créatif, je le faisais avant déjà. C'est juste que, et ben là, l'envie m'est revenue. Après, c'est souvent comme ça, hein, quand ça arrive l'hiver, j'aime bien ressortir les tricots. J'ai pas trouvé ma petite chaussette. Attendez, je vais la chercher. Bon, ben, je l'ai pas trouvée. C'est pas grave. Après, je veux pas non plus. Parce que déjà, ça fait à peu près 25 minutes que je cherche partout. Hein. Donc, écoutez, il n'y est pas, il n'y est pas. J'ai cru que c'était papy, mais non, c'est pas papy. Donc voilà, bon bah c'est pas grave. On verra, ça fait rien. Donc là, il va falloir faire l'échantillon. Donc pour faire un échantillon, on commence par faire 3-4 rangs de points mousse. Donc que du point endroit en aller-retour. Voilà. Là, ils disent que pour 10 cm, il faut 14 mailles. Il y a Monsieur Nabucco qui va sûrement arriver, qui va sauter. Ouais, je ferai 20 mailles, je pense. Je ferai sur 20 mailles parce que bah, c'est de la grosse laine, hein. Ça peut paraître peu, mais c'est de la grosse laine. Donc, je vais essayer de faire ça pour faire l'échantillon. Je vais monter 20 mailles. Je vais faire 3 rangs d'aller-retour en point endroit et ensuite sur les bords à chaque fois. Je ferai 3 mailles à l'endroit. Et après, je partirai en point. Oui, je ferai que du point endroit pour faire du point mousse. Je vais y arriver, les amis. Je vais vous montrer sur l'échantillon. OK? Ce sera beaucoup plus parlant. Vous voyez là sur mon échantillon? Là, vous le voyez bien. Vous avez vu comme il est beau? J'avais fait un châle avec cette laine. Vous voyez que sur le bord, là, ici, là, on n'a que du point mousse. Ça, c'est que des points à l'endroit. Mais là, on a du jersey. C'est-à-dire que j'ai fait un rang en point endroit et le retour, c'est à point arrière. Et après, ça fait cette forme-là, spécifique du jersey, qui sont tous ces petits V. Ça, c'est du jersey endroit. Voilà. Et là, par contre, à l'arrière, on n'a que comme des sortes de petits ponts. Vous voyez, plein de petits traits. Ça, c'est du jersey à l'arrière. Voilà. Et donc, pour que l'échantillon y tienne bien droit, eh ben, il faut que tout autour, on vienne faire quand même. Du point mousse, comme ça reste bien droit, sinon il va rouler. Voilà, si vous faites que du jersey, eh ben ça va, bloup, ça va tout rouler. Et c'est pas ce qu'on veut, sinon on ne peut pas compter. Donc, ouais, on va faire ça déjà pour s'entraîner, les amis. On va faire notre petit échantillon. Ça nous fera de l'entraînement. Après, on peut très bien s'entraîner, défaire, et puis après, repartir tranquillou. Parce que c'est sûr que ça fait un moment que je n'ai pas fait de tricot. Donc, après, peut-être que mon point, du coup, il aura changé. Bon, après, c'était quand même un point régulier. Mais je tricote serré. Normalement. C'est comme quand je fais de la broderie. Hein. Quand je fais du point de croix, bah, j'ai tendance à serrer. C'est comme ça, écoutez. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, ouais, je pense que, on va commencer par faire l'échantillon. Voilà, et puis on verra. Donc là, je vais vous mettre sur la vue de dessus. Écoutez, la vidéo, elle va peut-être durer un petit temps, mais c'est pas grave. Ça fait rien, ça fait un petit moment avec moi. Après, si vous voulez pas faire du tricot, faites du colo, du scrap, du TP, comme vous en avez envie, les amis. Donc je vous reprends vue de dessus. Allez, on se retrouve vue du dessus. Déjà, première étape. On commence par chercher le petit bout à l'intérieur.
On pense que c'est lui peut-être. Pas du tout. Vous voyez, il a l'extérieur. Alors pourquoi je ne prends pas celui de l'extérieur? Tout simplement parce que quand je vais tricoter, eh ben, il va bouger dans tous les sens. Parce que ça va suivre. Ça va suivre. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est attraper celui qu'il y a à l'intérieur. Alors, parfois, on le trouve tout de suite. Donc, on prend notre petit doigt, on fait une pince et on vient essayer de le trouver. Est-ce qu'on va le trouver? Non. Bon, des fois, on sort un gros nœud. Alors, c'est hyper pénible. Si on ne trouve pas, on tourne. On a Monsieur Nabucco qui cherche avec nous. Merci de m'aider, bébé. Est-ce qu'on l'a ici? Attends, mon cœur. Oh là là, il vient tout le temps m'embêter. Ah, là, on a une boule. Hop là. On vient essayer de trouver le bout. Il est là. Hop, je l'ai. Ok. Bon, par contre, là, ça fait un sac de nœuds. Hein. Oh là là, j'ai pas le goût. Oh non, j'ai pas le goût qu'il y ait un sac de nœuds. Attends, mon petit cœur. Tu me gênes un peu, bébé. Vraiment. Hein? Tu fais tes câlins? Des petits câlins, bah oui. Maman essaye de trouver son nœud. Je sais pourquoi tu viens. Quand il était petit, il dormait sur mes pelotes. Comme ça, quand je tirais, et ben, il avait juste à attraper, vu qu'il dormait là-dessus, comme ça. Et ouais, c'est un petit coquin, ce monsieur Nabucco. Donc là, ce qu'on fait. Couche-toi, bébé, au pire. Je vais vous lever un peu. Ce qu'on va faire, non, c'est pas pour toi que je lève, c'est pour qu'il puisse voir qu'est-ce que je fais. Alors, bon, quelle technique je vais faire? Que je me rappelle. Alors, moi, j'ai appris, quand j'étais petite, j'ai appris à faire mes mailles avec le pouce. Donc, on vient rouler. On vient rouler le pouce. Vous voyez, j'ai fait une boucle. On passe l'aiguille. Là, on voit, j'ai mon pouce et mon aiguille. Je prends mon fil. Alors, il faut prendre le fil qu'on a tiré. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre une bonne longueur. Hop, surtout que là, pourquoi t'es flou? Reste sur mon doigt. Merci. Surtout que là, ben, c'est du numéro 8. Donc, je viens prendre le fil qui part. Moi, il est sur ma droite. OK. Je viens le passer entre mon pouce, vous voyez, il est passé entre mon pouce et l'aiguille. Je passe par-dessus et je tire. Et là, on a une première. Alors, la première, ça fait toujours un petit schmilblick, c'est normal. Hein. C'est comme ça. Donc là, en gros, j'ai une boucle. OK? Je tourne mon pouce. Je pique. On a piqué, on est OK. Je prends mon fil. Je le passe entre l'aiguille et mon pouce. Et la boucle qu'il y a de mon pouce, je la passe par-dessus l'aiguille. Et là, j'en ai deux. On est OK? On tourne, on fait une boucle avec le pouce. Je passe dans mon aiguille. Je viens passer mon fil entre l'aiguille et mon pouce. Et mon pouce passe par-dessus l'aiguille. Et je tire. Hop. J'aurais pas dû. Je vais essayer de la caler parce que j'aime pas ce petit bruit. Ça m'agace un peu. Hop. Et là, on continue. Je fais une boucle avec mon pouce. Je passe dans l'aiguille. Je viens passer entre les deux. Et mon pouce passe par-dessus. Et là, comme on peut voir, on a une. 2, 3 et 4. Et on continue. Donc 4, 5, 6. Alors essayez de pas trop serrer. Hein. Moi, c'est possible que j'ai pas pris assez de fil. Donc 6, hop, 7. Donc là, vous voyez, ça vous donne ce petit truc. 7. 8, 9, 10. On était à 10. Donc, on continue la boucle. On pique. On passe entre les deux.
on est d'accord. Et on passe par-dessus. 11. Faire attention de bien piquer. 12. 13. 14. Donc là, normalement, hop, on a les 14 mailles qui devraient faire notre échantillon. Mais on en rajoute. On va aller jusqu'à 20. 14, 15, 16, 17. Je vais faire plus doucement. On fait la boucle. On pique. On passe. Et on passe par au-dessus. 18. Hop, 19 et 20. Et ben dis donc, c'était juste. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser quand même un grand morceau quand on tire le fil. Il faut quand même laisser un grand morceau. Donc là, j'ai mes 20 mailles. Voilà, elles sont là, elles sont prêtes. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais continuer juste en point avant. Donc là, je viens prendre ma deuxième aiguille. Et on va faire comme ce qu'on faisait avec le pouce. Ok? Je viens piquer. Enfin, comme ce qu'on faisait avec le pouce. Oui, oui, comme ce qu'on faisait avec le pouce. Là, ma première maille, vous la voyez là? On vient la piquer en la croisant par en dessous. Vous voyez? Je croise par en dessous. On est d'accord avec ça? Donc, je la croise. Ma maille, elle est là. Je viens la croiser par en dessous, je passe mon fil entre les deux, et là, je viens la passer par au-dessus, en attrapant du coup le fil qui était que je venais de passer par en dessous. Je me suis mal exprimée, je vais recommencer. Ok, donc là, je pique par en dessous, vous voyez, je suis en dessous là. Je passe le fil, je sors l'aiguille en la passant par au-dessus, mais il faut que j'attrape aussi le fil. Vous voyez que j'ai attrapé le fil et après je peux sortir l'aiguille du dessous. Des explications vraiment incroyables. Je pique par en dessous, je passe mon fil. Enlève-toi, tu vas nous gêner, toi. Je passe l'aiguille du dessous par au-dessus, en attrapant bien évidemment le fil qu'on avait passé. Et là, maintenant, je peux enlever ma maille qui se retrouve en dessous. Ok? Je pique. Ma maille, elle est... Enfin, mon aiguille est en dessous. Je viens passer le fil entre mes deux aiguilles, l'aiguille qui était en dessous va passer au-dessus en attrapant, vous voyez le fil, hop, et une fois que c'est fait, on sort la maille, tout simplement. Et donc là, je viens continuer, on pique, on passe le fil et on sort la maille, voilà, on pique, on passe le fil, on passe par au-dessus et on sort la maille. On pique, hop, ah non, j'aurais dû faire du point mousse, vous voyez, je fais des bêtises, les amis, mais non, attendez, on va voir, je pique, passe le fil, et je sors, je pique, je passe le fil, on l'attrape, et on sort la bride qui est en dessous, enfin la maille, la bride. Comme si j'étais au crochet. Ah, on fera du crochet un jour, si ça vous dit. Oh là là. La dame ne s'arrête donc jamais. Et non. Elle ne s'arrête pas. Attendez, j'enlève le nœud. Il peut y arriver qu'il y ait des nœuds. Et ça, c'est pas cool. Voilà. Si on ne fait pas trop de schmilblick avec les nœuds, ils s'enlèveront facilement. Donc, on pique. Hop. On pique, hop, et on enlève. On ralentit pour que je vous montre encore. On pique, on passe le fil, on le passe au-dessus et on enlève. Hop,
et on enlève. Et on enlève, on pique, on passe le fil, on passe au-dessus et on enlève. Et là, la dernière, on fait pareil. Et là, on a, vous voyez, on a fait un premier rang. Voilà, tranquillou bidou, on a fait notre premier rang. Et là, on vient faire pareil. On reprend. Alors, j'ai tourné, vous voyez. Là, toutes les mailles qui étaient sur cette aiguille sont passées sur cette aiguille. Pour reprendre mon travail, je viens mettre ces mailles-là. Je viens simplement twister, tourner l'aiguille et je repars tranquillou et je continue. Hop, je pique, donc mon aiguille est en dessous, je passe le fil, on est ok, le fil est passé, et on la passe par au-dessus et on la sort, la boucle qui était en dessous. Oh là là, j'ai l'impression que mes explications, elles sont vraiment nulles. Allez, on pique, on passe le fil, on passe l'aiguille par au-dessus et on sort celle qui était en dessous. On pique et on sort en dessous. Et là, on a notre petite boule, vous voyez, on a les petites boules qui feront le point mousse. Si c'est bon pour mes explications, en tout cas. Mais normalement, oui. Parce que pour avoir le jersey, il faut faire point, un rang en droit, un rang en vert. Après, peut-être que je me suis trompée. Hein. C'est possible que mes bases ne soient pas... Alors, essayez de ne pas trop serrer si vous avez tendance à être crispé un peu. Détendez-vous. Détendez les épaules. On pique, on passe l'aiguille. Et hop, on pique, on passe l'aiguille entre les deux. On la passe par en haut et ça sort. On sort la maille qui était dans l'aiguille du dessous. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au bout. Et là, on fait la dernière. Hop. Et là, on commence à avoir notre point mousse. Vous voyez, les petites boules. Enfin, les petits. Moi, j'appelle ça les petites boules. C'est des petits ponts. Hop, tranquillou. Donc là, on a fait, on va dire, deux rangs. Ok. Donc là, ce que je vais faire encore un troisième rang. Là, en fait, mon premier rang du dessous, j'aurais dû le faire en point arrière, mais c'était pour vous montrer le point avant. C'est pas très grave, vous inquiétez pas. Si vous avez cette petite maille-là, ce petit V, c'est pas dérangeant. Donc là, pareil, on va venir reprendre le point avant. Donc, on pique. Voilà. On passe l'aiguille. Pardon, on passe le fil. Et on vient le sortir comme ça. On pique. On passe le fil. On passe l'aiguille qui était en dessous au-dessus. Et celle qui est en dessous, on vient enlever la maille qui était avec elle. Et on continue. On pique, on passe l'aiguille du dessous au-dessus et on enlève. Donc je viens faire ça pour le long, encore une fois, de mon échantillon. Après l'échantillon, c'est un choix. Soit vous le gardez, une fois que vous l'avez bloqué, pour compter si vous avez le bon nombre de mailles, comme préconisé dans le patron, dans le modèle. Ou alors, vous pouvez très bien le défaire. Vous pouvez le défaire pour vous en servir pour votre tricot. Parce que bon, ça fait quand même utiliser de la laine de faire un échantillon, il ne faut pas croire. Hein. Donc, je pique, je passe le fil, je passe l'aiguille du dessous au-dessus et j'enlève. Et là, on arrive au bout. Ok. Donc là, on a encore notre point
qui se dessine. Et là, par contre, à partir d'ici, on va commencer à faire du jersey au milieu. C'est comme ça qu'on pourra voir notre échantillon. Donc là, je viens faire 3 mailles à l'endroit. Il est comment, lui? Donc, je viens faire 3 mailles à l'endroit. Donc, je passe. Je passe l'aiguille qui était en dessous au-dessus en attrapant le fil. Et je sors celle qui est derrière. 1. Je reproduis la même chose. 2. Et 3. Je passe. Et hop. Et là, ce que je vais faire, je vais venir prendre mon fil, le passer en dessous mon aiguille pour qu'il arrive devant moi. Là, mon fil était derrière, vous voyez, il est derrière. Et là, je viens le passer pour qu'il vienne devant. OK? Donc, on se retrouve comme ça, avec notre fil devant et notre travail en attente. Et là, ce que je vais faire pour faire le point arrière, du coup, mon aiguille que je piquais comme ça, je ne vais plus la piquer comme ça. Je vais la piquer comme ça. Vous voyez, je l'ai croisée, mais cette fois-ci, elle passe dessus. Au lieu de passer dessous, elle passe. Je passe par-dessus la boucle. En fait, là, ma boucle, je rentre devant pour sortir derrière. On est d'accord. Ben là, on va là faire l'inverse. On la passe en dessous et on ressort devant. Et donc là, mon fil, pour faire le point arrière, je viens le passer par-dessus mon aiguille. Vous voyez, j'ai entouré mon aiguille. Hop, vous voyez, mon aiguille, elle est entourée du fil. Et cette aiguille-là, je viens la sortir derrière. Et là, j'enlève ma maille. Et je recommence. Je pique par en dessous. Je fais le tour de l'aiguille. Je passe pour qu'elle sorte derrière. Et j'enlève. Et je continue. Je pique. Je croise. Vous voyez? Je passe comme ceci. Je la fais sortir par en dessous. Et j'enlève. Je croise, je tourne, je fais le tour avec ma laine, je la passe par en dessous et je l'enlève. Donc ça, c'est le point arrière. Hop. Donc là, je vais faire du point arrière jusqu'à ce que j'arrive à 3 mailles du bord. Donc pareil, hein, essayez de pas trop serrer. Moi, je vous dis, hein, j'ai tendance à serrer parce que ben, c'est comme ça. Hein. Je tricote serré, c'est comme ça. Hop, on tire le fil si on a besoin. Voilà. Hop. Si vous voyez que c'est vraiment trop, trop serré, prenez une taille d'aiguille au-dessus. Voilà, comme ça, vous ferez... ça fera des points plus gros, enfin, ça fera les points qu'il faut... même si vous serrez. Donc là, j'ai mes 3 aiguilles. N'importe quoi. J'ai mes 3 mailles. On est OK? Il me reste mes 3 mailles. Donc là, ce que je vais faire, mon fil qui est devant, je vais le repasser derrière, en dessous. Je le passe en dessous de mon aiguille pour qu'il revienne derrière. Et là, on vient reprendre le point avant. Je viens croiser par en dessous. Voilà. Je passe mon fil et je viens sortir par au-dessus. Hop, je fais ça pour mes 3 mailles qui restent. Et je tourne mon travail, mon ouvrage, j'allais dire, mais c'est oui, c'est pareil. Et là, on peut voir que ça nous a fait nos petits V. Vous les voyez? Ils sont là. Un petit V, un petit V, un petit V. Et donc là, quand je suis de ce côté du travail, à chaque fois, je ferai que des points en droit. Je ne me prends pas la tête, je ne mets pas les 3 mailles en point arrière ou autre. Non, 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 non.
tout se rend, sera fait au point endroit. Donc là, on y va. Hop. Alors, oui, vous allez me dire, pourquoi tu passes comme ça ton fil? C'est pour la tension. C'est comme ça, je suis obligée. C'est comme ça que j'ai appris. Donc là, je viens faire toutes mes mailles à l'endroit. Je pique par en dessous, je passe mon fil. Et hop, je pique, je passe mon fil. Et hop, je pique, je passe mon fil. Il ressort par en haut et j'enlève. Et je fais ça tout le long de mon rang sur mes 20 mailles. Alors, il peut arriver des fois que vous rajoutiez des mailles. Quand j'avais appris à mes filles, même moi, hein, quand j'avais appris, donc on apprend pour faire une écharpe, toute simple, toute basique. Et puis l'écharpe, elle ressemble à un triangle. Hein. Parce que, ben, on vient, je sais pas comment on se débrouille, mais on rajoute des mailles et tout. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Écoutez. C'est comme ça que l'on apprend, c'est tout. Donc, je viens continuer tout le long. Hop, voilà. Et la dernière maille. Hop, on est bon. Donc là, ça commence à se dessiner. Hein. On voit qu'on a le bord. On voit qu'on a notre échantillon qui se retrouvera au milieu. Donc ça, c'est plutôt cool. On tourne le travail. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? 3 mailles à l'endroit, du point arrière jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles et on vient refaire 3 mailles à l'endroit. Donc, on y va. Je pique, je passe mon fil entre les deux aiguilles, je le passe par en haut et je l'enlève par l'aiguille qui était en dessous. Je pique. Je passe mon fil, ça remonte, hop, et je l'enlève. Et là, je fais pareil. Allez, je vous reprends. Donc là, je passe mon fil, pardon, j'ai éternué. Donc là, il faut du point arrière. Donc je passe mon fil qui est derrière. Devant, donc par en dessous, hop, je viens pas faire une boucle, un schmilblick, non, je viens juste le passer, hop, en dessous, comme ça, mon fil se retrouve devant, hop, et là, de toute façon, ça se placera, vous verrez, quand vous l'aurez fait, ça se placera tout seul, là, l'aiguille qui passait comme ça, elle vient passer par devant, hop, et elle attrape la maille. On vient passer par au-dessus pour avoir le fil. Donc, on voit que le fil, il est twisté autour de l'aiguille. Et on le sort par derrière et on enlève. Et là, hop, on pique. On passe le fil par au-dessus. On passe l'aiguille par en dessous et on sort. Et je fais ça jusqu'à ce que j'ai 3 mailles. Cette laine, elle est plutôt agréable à Julia. Je ne l'avais jamais tricotée, si je crois une fois, pour faire un bonnet. Et je l'ai trouvée vraiment douce, vraiment agréable. Donc, si vous ne voulez pas mettre cher pour commencer, après, ça tiendra, hein, de toute façon. Je vais regarder. C'est de l'acrylique et de la laine. Voilà. Il y a 80% d'acrylique, 20% de laine. Voilà. Après, bon. De toute façon, même quand on va maintenant dans les magasins, il y a beaucoup d'acrylique. Donc, tant qu'à faire, autant le faire nous-mêmes. Donc, on pique, on twist. Enfin, on passe le fil. On sort par en dessous et on enlève. On pique. On passe le fil, l'aiguille passe en dessous et on enlève. Je pique, je twist le fil, je pousse l'aiguille pour qu'elle sorte en dessous, voyez, et je l'enlève. Et là, on vient en faire une dernière. Hop,
Là, il me reste mes 3 mailles. Mon fil qui était devant, je le passe derrière, tout simplement. Hop, et là, je viens, je continue avec mon point à l'avant. Donc là, je passe plus à l'arrière comme ça, je passe à l'avant. Et hop, une, deux et trois. Voilà. Et là, on va avoir... Attendez, je vais le piquer là-dedans pour pas que ça vous fasse du bruit. Et là, on va avoir notre échantillon, vous voyez, qui se dessine petit à petit. Alors, regardez pas le bas, hein, c'est pas très grave. Mais on peut voir que on a notre échantillon. Donc après, c'est ça, c'est l'intérieur en fait qui sera notre échantillon, pas les bords, hein. On compte pas les bords. Donc c'est l'intérieur qui viendra faire en sorte que l'on puisse compter combien nous avons de mailles sur 10 cm. C'est toujours sur 10 cm les amis, d'accord? Hop, comme on peut le voir ici, voilà, on compte sur 10 cm. Donc ça, vous venez après mettre votre échantillon à l'intérieur. Donc là, ça va être un peu compliqué, mais je vais quand même vous montrer. Voilà. Hop. Il faut bien que ce soit plaqué et aligné, bien évidemment. Votre échantillon, vous ne pouvez pas le faire tordu. Donc, on vient bien plaquer le bord. Vous voyez, on viendra le plaquer comme ça, une fois que notre échantillon il sera fait. Et on viendra compter à l'intérieur de l'échantillon combien nous avons de petits V. Voilà, tout simplement. Donc, je vais continuer l'échantillon et je vous retrouve après. Hey les amis, je vous retrouve. Donc, j'en suis là. Alors, regardez. Vous savez la boule qui est sortie? Eh bien, en fait, c'était juste un morceau de fil. Donc, je vais le garder hein, au cas où j'en ai besoin pour... on ne sait pas s'il manque du fil. Au moins, j'aurai ça. Donc, je vais le mettre de côté. Je le mettrai dans mon pochon. Donc là, j'ai continué à tricoter. Donc, quand je suis sur le devant du travail, je fais que des mailles en droit. Et quand je suis sur l'arrière du travail, je fais 3 mailles en droit, 14 mailles envers, 3 mailles en droit. Voilà. Donc là, on peut voir la différence entre le dos. Après, si votre échantillon, il faut le faire au point mousse, faudra le faire comme ça, quoi. Hop. Et donc là, moi, je me mets sur le devant de mon travail. On regarde si j'ai bien 10 cm. Donc là, on peut voir que oui, hein, on a bien 10 cm, même un peu plus. On aura peut-être 11 cm, donc on est bon. De largeur, pareil, on a un peu plus de 10 cm. Donc là, notre échantillon, il est bon. Donc, avant de le fermer, on va venir refaire 3 rangs de points mousse. OK? Donc là, moi, je me suis arrêtée. Là, j'ai terminé sur le devant du travail. Donc, je viens tourner mon travail, encore une fois. Ça fait beaucoup de fois que je répète ce mot. Bref, donc je viens prendre mon projet, on va dire projet. Je pique et là, pareil, je vais faire... Donc là, rappelez-vous, quand on est sur l'arrière du travail, on faisait 3 mailles à l'endroit, 14 mailles à l'envers et 3 mailles à l'endroit. Là, on va tout faire à l'endroit pendant 3 rangs. Voilà, donc pendant 3 rangs, hop, je viens faire... à l'endroit. Donc là, c'est mon premier rang. Donc je viens piquer, je passe mon fil, je le passe au-dessus et je sors la maille du dessous. Voilà. Donc je fais ça tout le long. Hop. Alors désolé si je vais un peu vite. Vous pouvez sinon ralentir la vidéo si vous comprenez pas. Mais voilà, mes aiguilles sont assez grosses. Je pique. Je passe par derrière, je passe mon fil et là, je passe dans ma boucle et par devant. Et là, je sors la boucle de derrière. Voilà, tout simplement. Alors, c'est une mécanique à prendre en main, hein, c'est sûr.
Mais entraînez-vous, les amis. Prenez une vieille pelote. Achetez une vieille pelote, vraiment la moins chère que vous puissiez trouver. Et entraînez-vous avant de faire un projet comme ça. Mais ce serait trop chouette, non? Si on tricotait un gilet ensemble, wow, ce serait incroyable. Donc là, je viens de tourner mon travail. Donc comme on peut voir, on a les petites boules qui se mettent devant. Donc là, ça ferme bien mon carré. J'essaye d'écouter parce que j'ai reçu un mail pour me dire que mon colis serait livré dans pas longtemps. Donc là, je viens reprendre pour faire un rang devant. Enfin, un rang devant. Un rang avec des mailles à l'endroit, quoi. Donc, hop. Après, un échantillon, ça peut aller vite. Hein. Surtout que là, c'est de la grosse laine. En tout cas, j'adore la couleur. J'adore le rendu. Donc, franchement, je pense que ça va être un beau gilet. Donc, si ça vous intéresse, les amis, moi, j'ai pris la Julia. Et c'est un beige. Il n'y a pas de numéro de coloris, il me semble. Je regarderai sur la pelote au cas où. Après, il y en avait d'autres. Il y avait un gris foncé, donc j'aime pas trop. Il y avait une sorte de camel, de caramel un petit peu. Mais ça, c'était plus pour l'automne et c'est pas ce que j'ai envie pour l'instant. Donc voilà. Là, je viens faire mon dernier rang. Et on va en même temps fermer le projet. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a tout plein de mailles. Mais toutes ces mailles, il faut les fermer pour qu'après, eh ben, notre échantillon, il soit enlevé des aiguilles. Vous allez comprendre. Donc là, je viens piquer. Je fais ma maille à l'endroit. OK? J'en fais une autre. Je passe mon fil. Je sors. Et là, j'ai deux aiguilles. J'ai deux aiguilles. Non, j'ai deux mailles. OK? Je prends la maille, la première maille que j'ai tricotée. Je viens l'attraper. Vous voyez, je l'ai attrapée. Je n'ai pas attrapé celle-ci. Et je viens la passer par-dessus l'autre. Vous voyez, il ne me reste qu'une. Et là, je lâche. On est OK? On peut voir que la maille, elle est ici. Il y a la boucle. Je viens tricoter celle-ci. Hop, je la tricote. Je viens prendre la maille d'avant. Je la passe par-dessus, celle que je viens de tricoter. Et il me reste qu'une. Et vous voyez que ça ferme notre projet. En l'occurrence, notre échantillon. Donc, je passe. Hop. Je prends ma boucle. Je la passe par-dessus. Et j'enlève. Et je viens faire ça tout le long. Hop. Donc je tricote ma maille. Je viens prendre la maille d'avant. Je la passe par-dessus. Et j'enlève. Et on peut voir que tout doucement, notre échantillon eh ben, se termine et n'est plus accroché à l'aiguille. Donc là, on va pouvoir le récupérer, le poser à plat sur le bureau. Je ne sais pas si je le lave. Bon, le mieux, ce serait de le laver pour voir comment la laine, elle réagit. Hop. Donc là, on continue. On va jusqu'au bout. Donc, on fait ça jusqu'au bout. On passe par-dessus. On pique. On fait une maille et on la passe par-dessus. Hop. On continue. On fait ça jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il nous reste qu'une seule maille. Et après, on viendra simplement faire un nœud et passer le fil dans l'échantillon si vous avez envie de faire un travail plutôt propre. Donc là, j'arrive sur la fin. Il m'en manque pas beaucoup. Et là, la dernière, je la passe comme ceci. Donc là, on peut voir que ça nous fait une boucle qui nous reste.
Donc là, on va venir couper le fil. Ah, j'ai pas pris ma grosse aiguille, il va falloir que j'aille la chercher. Je vais aller la chercher, bougez pas, je vais prendre ma grosse aiguille. Hop là, donc j'ai récupéré mon ciseau. Donc là, on n'enlève pas la maille, hein. Attention, hein. On n'enlève pas tout de suite. Je viens couper. Voilà. On laisse notre laine à côté. Je viens prendre mon aiguille à laine. J'enlève son petit bouchon. On récupère. On passe le fil dedans. Voilà, tout simplement. Hop. Et là, on va venir faire une sorte de nœud. Vous voyez, je vais simplement passer l'aiguille dedans. Et on va essayer de tirer. On peut enlever hein, une fois qu'on a fait ça. On vient tirer pour pouvoir faire un nœud. Vous voyez, hop, j'ai simplement tiré. Après, si ça peut aider, vous pouvez passer ici pour éviter que votre fil ne s'échappe. On va venir faire un nœud. Donc on passe. Hop, vous voyez, on a notre petite boucle. On a notre boucle là, on passe l'aiguille dans la boucle et on tire, tout simplement. Hop, voilà. On va faire ça deux fois. On passe. Hop. On passe dans la boucle et on tire. Et là, on est bon. On a sécurisé notre projet. Je vais passer mon aiguille dans directement là, c'est bon, hop, voilà, et là je vais venir couper. Voilà, très bien. On est bon. On va venir faire pareil en bas, comme ça au moins notre projet il sera tout beau, tout propre. Enfin, notre projet, notre échantillon, mais bon, une fois qu'on a fait notre échantillon, déjà c'est une très bonne chose qu'on a faite, donc c'est plutôt cool. Je vais venir quand même faire un petit nœud, donc je vais prendre dans la boucle, hop, je vais quand même faire un petit nœud par sûreté. Parce que bon, j'aurais pas envie que ça défasse le projet par le bas. Hop là. Voilà. Et là, je viens passer directement dans les mailles du bas. Voilà. On passe, on tire. Ah, il est là. J'avais perdu mon bouchon. Hop, je range ça au cas où les minots arrivent. Donc, on vient bien sûr placer tout correctement. Il ne faut pas non plus trop tirer. Voilà. Et là, je vais venir couper juste ce qui dépasse. Hop, et là, on a notre échantillon, les amis. N'est-il pas mignon? J'adore cette couleur. J'espère que vous la verrez bien. Hop, et là, je viens prendre ma petite réglette et on va venir compter combien on a de petits V à l'intérieur. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on en a 12. On en a 12 et on a... Ah oui, il faut compter les rangs, pardon. Si j'oublie de compter les rangs, on n'est pas bon. Donc là, on se met bien, vous voyez, comme le modèle, on se met bien en bas du petit V et on vient compter combien on a de petits V sur toute notre ligne. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19. Donc on a 19 sur, on a dit 12. Donc je vais le noter pour pas l'oublier, parce que vous savez que je vais l'oublier. Donc 19 sur 12. Je viendrai le noter proprement sur mon carnet. Donc on a 19 rangs sur 12 mailles. Et là, on vient bien marquer 10 cm. Et là aussi, on a 10 cm. Ok. Et donc, une fois qu'on a ça, on voit si ça peut correspondre avec le modèle. Nous, notre modèle, que je le récupère, on va aller chercher, on va regarder ça, les amis. Hop. Ok, alors, notre modèle est là. Vous voyez, donc, on a notre modèle. Et eux, ils demandent un échantillon de 11 mailles de largeur sur 15 rangs de hauteur. Donc, on a bien sur 10, 10, hein. On est d'accord. Donc, on peut voir que moi, j'ai une maille de largeur en plus et par contre, en hauteur, j'en ai 4 de plus. J'en ai 4 de plus. Donc, le mieux, hein, très sincèrement, le mieux, ce serait de refaire l'échantillon avec une taille d'aiguille plus petite. Alors, je sais, vous allez dire, oulala, là là, mais ça fait du travail, hein. Oui, ça fait du travail, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'après, qu'on a un projet qui nous va bien. C'est comme quand on fait de la quand on coud un vêtement, hein, on va prendre toutes les mesures de notre corps, hein, de toutes les tailles, la poitrine, en dessous, le dessous des bras, bref, on doit tout mesurer pour que justement, bah, une fois qu'on a fini de coudre notre projet, bah, il nous va à la perfection. Donc là, moi, quand c'est la hauteur qui est plus grande, ça ne me dérange pas. Parce que quoi qu'il arrive, je veux un gilet qui soit long. Donc, c'est pas très grave. La hauteur, on peut la régler. C'est comme pour la manche. La manche, quand on va coudre la manche, on pourra l'essayer. On pourra voir à quelle longueur elle arrive. Et en fonction de, eh ben, faire plus ou moins de rang. Vous voyez? Donc, moi, c'est pas grave. Je pense que je vais rester comme ça. J'aime bien le point. J'adore la grandeur du point. Je trouve qu'il est plutôt bon. Après, comme je vous dis, je ne l'ai pas lavé. Donc, ça se trouve, en lavant, ça gonflera un peu plus. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je pense que je vais quand même tester de faire l'échantillon avec le 7 mm. Ouais, faire avec 7 mm, mais j'aime bien comme ça. Je trouve que comme ça, c'est beau. Vous voyez, c'est quand même assez fluide. Non, je pense que je vais rester là-dessus pour mon gilet. Vous, par contre, si vous n'avez pas la taille préconisée, surtout en largeur, parce que si vous avez, admettons, au lieu d'avoir 11 mailles, vous en avez 9, c'est pas bon. Parce que une fois que vous aurez fini votre gilet, eh ben, il ne vous ira pas. Il sera trop petit par rapport à la taille de votre dos, par rapport au de devant. Donc, ce n'est pas bon. Moi, j'ai une maille en plus. Bon, bah, écoutez, ce n'est pas si grave que ça. Ok, et eh ben, écoutez, on verra. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si, attendez, je vous reprends en face cam quand même. Allez, je vous reprends. Quand même, qu'on se voit un petit peu avant de passer notre week-end. Voilà. Donc, ouais, non, je trouve franchement, voilà, vous voyez la couleur? C'est super joli, hein? J'adore. Et ouais, ça m'ira bien. J'aime bien. J'adore cette couleur. Donc, ouais, je pense que je vais partir sur ça. Et puis, pour la hauteur, je verrai en fonction. Je verrai en fonction de. Ouais, voilà. Je trouve que c'est plutôt joli quand même. J'aime bien. Donc voilà pour le début de notre petit projet, les amis. Dites-moi si ça vous intéresse de le faire avec moi ou pas. Je sais que j'avais eu quand même des petites demandes par mail
qu'on fasse un petit gilet ensemble, que je vous montre, et comme ça, vous puissiez le faire aussi. Donc voilà, en tout cas, vous trouverez le modèle dans la barre de description. Moi, c'est de la Julia, donc de Zeman. Elle est douce, hein, vraiment. Vous savez que j'ai la peau sensible, les amis, vous le savez. Je ne peux pas faire ça avec tout. Donc, si c'est doux pour moi, ce sera très très doux pour vous. Voilà, donc c'est la Julia. Après, est-ce qu'il y a un numéro de coloris? Oui, c'est la couleur 75. Voilà, donc c'est la couleur 75. Et le lot, donc le lot, c'est comme le bain dans lequel on a plongé la laine pour qu'il y ait la couleur. C'est le lot 51 654. Voilà. Donc, si vous voulez la petite référence. Mais voilà. Et puis, moi, je vais le tricoter en aiguille numéro 8. Donc, vous voyez, c'est écrit là. Soit en 8, soit en 7. Vous ne verrez pas. En plus, c'est à l'envers. Mais c'est préconisé en 8 ou 7. Voilà. Et eux, ils disent pour une taille 40, il faut 600 grammes. Donc, 6 pelotes. Voilà. Et la pelote, comme je vous dis, elle était à 2 euros et des brouettes. Franchement, voilà, si vous voulez vous faire un gilet, commencez par cette laine-là. Et après, si vous avez envie de vous offrir de la jolie laine, eh bien, écoutez, vous pourrez parce que vous saurez tricoter correctement, faire des jolis points. Voilà. Non, je trouve ça beaucoup trop joli. Je trouve ça vraiment beaucoup trop joli. Voilà, bah écoutez les amis, moi je crois que je vais vous laisser là parce que la vidéo va durer tellement longtemps. Mais bon. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois dans le week-end. Nous, demain, on a le spectacle de Noël avec Théo. Voilà, Théo va passer, va nous faire le spectacle de Noël à l'église. Donc j'ai trop trop hâte, j'ai trop trop hâte de le voir jouer. Ah là là, en plus ça a l'air trop mignon ce qu'ils ont fait. Oh là là, j'ai tellement hâte. Donc voilà, c'est demain après-midi. Enfin, il y a voilà, une répétition, la mise en place et tout. Je l'emmène à l'église à 15h30 et nous, les parents, nous devons être là-bas pour 15h30 à peu près, 15h45. Donc voilà, j'ai tellement hâte. Sinon, quoi d'autre? Donc cet après-midi, je serai au téléphone avec ma petite sœur, je ferai les commandes, j'avancerai dessus. Normalement, je pense que ça partira lundi. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous recevrez un petit mail. Quoi qu'il arrive, les amis, j'aurai de la laine, je vais avoir de la laine. Je vais avoir de la laine, ça va me gratter partout mes yeux. Voilà, je vous envoie un petit mail pour ça. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je crois que c'est tout. Bon, vous savez que sinon, je vais continuer à parler pendant des heures et des heures, hein. Voilà. Mais bon, je vais vous laisser là parce que j'ai encore du montage, j'ai encore plein de choses à faire. Et il est 10h50, les amis. Donc, je vous laisse là. Je vous fais tout plein de petits bisous. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Prenez soin de vous, vraiment. C'est important, prenez soin de votre famille, de tout le monde, de tout ce qu'il y a autour de vous. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas gentil autour de vous, et ben vous ne le calculez pas. Voilà les amis, soyez heureux, c'est tout ce que je vous demande. Plein de gros bisous et je vous dis à lundi. Bye bye!